Bonjour, je suis Fotin So Moïse, le principal du collège moderne bilingue Les Canaries. Déjà, je suis très très flatté d'accueillir ce matin l'équipe de UJET avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Et je suis particulièrement fier du parcours que mes anciens élèves passés par UJET sont devenus. Je peux citer entre autres l'élève Tompour Lisaté, titulaire aujourd'hui d'un Master 2 en communication événementielle, qui était d'ailleurs une de nos brillantes élèves de classe de terminale. Donc, dans la foulée comme ça, on a beaucoup d'élèves en première année, la QV de 2022, ils sont une quinzaine à avoir choisi l'horizon UJET. Preuve que le passage des agents d'orientation universitaire de UJET font un travail de titan sur le terrain, accompagné bien sûr par notre modeste contribution sur l'orientation véritable des enfants et sur le profil qu'ils devraient suivre après leur baccalauréat. On a assisté la semaine dernière à quelques soutenances, comme la soutenance de l'élève Wamba, qui est en filière soins de santé, soins infirmiers, l'élève Ebelemaka, en génie logiciel et transport, l'élève Grace Laubert, en génie des ressources humaines, et l'élève Ebongengolo, dont le parcours à Canaré a été très remarquable. On a transformé cet enfant, et Dieu merci, aujourd'hui, il soutient un BTS et ça fait notre joie. Donc nous ne formons pas les élèves qu'on abandonne et nous suscitons tout le temps et même encore les élèves à choisir les filières parmi les prix prisés que coffre UJET. C'est pas de la publicité, c'est la vérité, la formation est vraiment assurée. Et j'ai eu à voir les questionnaires de l'élève Wamba administré aux enfants par rapport à sa soutenance. Et c'était bien structuré, preuve qu'elle a été bien formée. Et son passage, même pendant cette collecte de données, montrait qu'elle sortait d'une véritable institut qui est à la pointe de la formation technologique. Vivement, ce partenariat avec UJET que Canaries a depuis l'ancienne appellation ISTTI jusqu'à aujourd'hui, nous pensons qu'on va aller vers la continuité. C'est-à-dire qu'un élève de Canaries est automatiquement admis à poursuivre ses études à UJET. Si Dieu le veut, ce partenariat sera ainsi. Parce que depuis quelques temps déjà, près de 80% de nos bacheliers choisissent d'aller à UJET. Merci pour cette minute que vous m'avez accordée de faire ce témoignage qui est la vérité de la continuité de la formation de nos enfants afin qu'ils s'insèrent aisément dans la société. Merci. UJET, bien choisir, c'est déjà réussir.